Ben, les nouvelles sont ici, voilà, c'est été confirmé plus ou moins. Ce sont les croisés, les ligaments étaient touchés et tout, donc voilà. Après moi, dans ma tête, moi ça va. Voilà, il faut être positif, il faut aller vers l'avant. Le seul truc que je voulais, c'est de savoir qu'est-ce que j'avais exactement. C'est fait. Et là maintenant, j'entame déjà la rééduque pour dégonfler un peu le genou et se faire opérer dans la foulée après, quoi. Ce match-là, il était particulier parce que, bon, déjà, c'était le premier match d'une compétition comme le mondial. Et en plus, j'ai débuté le match, donc c'était vraiment particulier pour moi. Mais comme j'ai dit précédemment, voilà, je l'ai pris comme si je jouais à Aix. Et donc, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et d'entrée, ça m'a mis en confiance de faire les arrêts sur l'un des meilleurs joueurs, Sagosen. Et après, ça s'est enchaîné. Voilà. Je sais pas, j'ai pas calculé. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire et ça a très bien fonctionné. J'espérais apporter un peu plus par la suite, mais voilà, ce sera pour une autre fois, ce sera pour une autre compète. Là, ce sera un peu le protocole classique d'une personne qui a eu une rupture des ligaments croisés. C'est-à-dire là, dans un premier temps, faire de la kiné comme j'ai dit. Après, il y aura opération, rééduque, puis réathlétisation avec Pont Gérard. Et pour être en forme pour la saison d'après, prochaine.